Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Azertiroaz pour les Antibes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour Endless Extinction is Forever. Ouais, j'aime bien comme ça, mettre du rythme, ne plus en mettre, etc. Varier le tout en à peine 15 secondes, ça fait plaisir. Non, on se retrouve pour Endless Extinction is Forever, un jeu qui est sorti aujourd'hui le 19 juillet, un de plus, hein. Allez voir les autres vidéos sur les autres jeux sortis aujourd'hui sur ma chaîne. Développé par Herobit Studio, édité par Handy Games, c'est un jeu d'aventure qui coûte 30 balles, ce qui est assez cher. Et en gros, on va incarner une mère renarde qui doit prendre soin de ses petits... dans un monde hein, presque post-apo, tu vois, c'est une fable un peu, c'est une aventure écologique à travers les yeux d'un renard, ça fait plaisir, l'extinction c'est maintenant, comme dirait François Hollande, nouvelle partie, on y va en avant Guingamp, abonnez-vous, ça fait plaisir. Appuyez sur A pour interagir, ah oui d'accord, bon, ça abonne directement dans le bain, voilà, là pour l'instant c'est vu sur le côté, je sais pas si ça restera sur le côté tout le temps, en mode old boy, je crois que ça sera sur le côté. Donc là on s'échappe, ça brûle, ça crame, c'est très beau, c'est très très beau, il y a un cerf qui se bat, qui fuit, tel un héron cendré, mais oui je crois que ça sera une vue comme ça un peu coupée, très intéressant, ça me rappelle le film Old Boy, excellent, excellent Old Boy. Et du coup on va, voilà, va falloir s'échapper de tout ça, prendre soin de ses petits, on est leur dernier espoir, le dernier espoir de nos enfants. Il va falloir défendre notre famille aussi. Les couleurs, etc. me font penser un peu à Firewatch, l'excellent Firewatch. Très très beau, belle direction artistique. Le jeu a été bien noté dans son ensemble, hein, très bien noté. De toute façon, là, les jeux d'aujourd'hui, là, du 19, ils ont tous été très bien notés. Ça crame. Ah ouais, il y a un putain d'incendie, on se croirait... Oh là là, on se croirait dans le sud de la France, là. On se croirait en Gironde. Les Girondins de Bordeaux, appuyez sur interagir. Je vais pas revenir en arrière, si. Je sais pas du tout si j'ai pris le même chemin. Ah, pour grimper. Ah là, grimpe, 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 grimpe. Parfait, ça, on a pris un autre chemin. Sympa. J'aime bien les jeux qui vous mettent directement dans l'action comme ça. Parce que des fois, les cinématiques, c'est bien, mais des fois, c'est quand même bien chiant. Ah merde, j'ai perdu. Ah ouais, je crois que j'étais obligé de perdre. Parce qu'il fallait que je martèle beaucoup plus. On a un cerf, c'est pas un macramé, mais quasiment, c'est un cerf cramé. Vas-y. Oh putain. Vas-y, vas-y, sors de ce bordel. Mais c'est impossible. Bah non, faut maintenir en fait. Ok, tout va bien. Ah, quel con. Il est con. Bon bah, RIP, hein. Il a les oreilles baissées, hein. Il a l'air complètement chafouin, ce renard. C'est la mode en ce moment des jeux où vous jouez des chats, des jeux... Oh putain, des jeux où vous jouez des renards. Ça reste une... comme Seasons After Fall, Seasons After Fall, très très bon jeu où vous jouez un... notamment un renard. De toute façon, il y a plein de jeux avec des renards, c'est la grosse mode. Les gens aiment les... J'allais dire les félins, mais c'est pas un félin. C'est un quoi? C'est un canis? Canis lupus? C'est comme un chien? C'est un canis? Je ne sais pas. Ah là, je suis un peu... Voilà, on peut passer là. Très bien. Je peux pas aller sur les côtés. Hein. Je suis sur un... globalement un rail. Hein. C'est pas un rail shooter, mais quasiment. On voit qu'on peut aller... ici, voilà, on voit qu'il y a ce qu'il faut. On est un petit peu dirigé, on n'est pas perdu. Oh, il y a l'air d'avoir un succès déverrouillé comme à la maison. D'accord. Ouais, d'accord, on voit que c'est une mère, on l'a vu avec ses mamelles, ses tétés. Ils sont où mes pitis? Ah, c'est que, d'accord, c'est qu'elle va accoucher, je crois. Je joue à la manette. Hein.
trop mignons. Regardez comme ils sont mignons. Ah, je peux custom un peu. Ah, c'est bien. Il est bien, lui. Bah, très bien comme ça. Ils sont très mignonnés, regarde. Ouf. Bon, je sais pas comment ça fait un renard, mais... C'est trop mignon. Oui, voilà, l'histoire, c'est un monde qui est au bord de la destruction à cause de ces satanés d'humains. Et il faut prendre soin de ses petits. Endling. L'extinction. Pour toujours. Vous ne pouvez attraper les poissons et les souris qu'au niveau des points de plongeon, d'accord? Faut que j'aille chasser, c'est ça? Blaireau, voie bloquée, ça dépend. Ok. Trouvez à manger pour vos renardos. Appuyez sur pour interagir. Ok, je peux me cacher. Je peux me cacher au besoin. On va passer par là. LB pour pister une proie proche. Ah, je suis ça, d'accord. Vas-y. Voilà, plonge. Rapportez la nourriture dans votre tanière. Nickel. Pas mal, ça. Il faut qu'on aille nourrir nos pitis. Ils sont trop mignons, les pitis. Hop. Voilà. On va aller les nourrir. Alors c'est une vidéo découverte. Je pense qu'elle sera seule tout. Voilà, ok. Faut que je retourne les nourrir. Vous devez rentrer chez vous avant la fin de la nuit. Ouais, t'inquiète. C'était pas très gros. Regardez comme c'est mignon. Nuit 2. C'est quoi? C'est jusqu'à ce qu'on se mette en route, jusqu'à ce qu'on se mette en branle. Je crois qu'il faut que je... Ouais, jusqu'à ce qu'on se mette en route, je crois qu'il faut qu'on chasse. Et qu'on trouve à bouffer. T'aurais un gros truc, tu vois. Une merde de chien. Oh, du poisson. Et bah voilà. Très bien. Allez, on rentre. C'est quoi? C'est un par nuit? C'était où? C'était là? Oui. L'avantage du renard, je crois, c'est que c'est omnivore. Donc, ça peut manger un peu tout et nimp. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui lui laisse des... Ce qui laisse un peu le champ des possibles. Et là, une dernière fois, c'est ça? Maman! Trop mignon. Oh non! C'est un piège, ça, je reconnais. Mais non, on va pas, il va pas, mon petit. Oh, le piti!
trouve toujours que t'as des humains qui foutent la merde. Il manque le piti. Ok, on va y aller. Les odeurs ne durent pas éternellement. On va aller lui péter la gueule. Et apprendre à notre petit à se méfier. Non, il est où, René Coty? Maintenez LB pour pister votre nardo disparu. Oh. Saloperie. On va te choper l'oignon, on va te choper le cul. Ah, il l'a mordu, ok. Vas-y. Batterie électrique, c'est quoi, il chasse à la dynamite? Il passe avec une sorte de bateau, ok. La trace se termine ici. Quoi? Attends, je vais le retrouver, j'espère, l'enfoiré, là. L'enfoiré de fils de poulpe. Ah, oh, il y a des cons là-bas, dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il me traque? J'ai strictement rien fait, hein. Faut que j'attrouve à bouffer. Un petit poisson. La poiscaille. Bon, au moins on sera bien en bouffe, hein. Voilà, on peut rentrer. Mais j'espère qu'on va pouvoir retrouver le petit là, le petit Johnny, le petit Timmy. Parce que c'est des beaux enfoirés, hein. Qu'est-ce que c'est que ces cons? Care Corp. C'est quoi cette usine maléfique là? Faut vite que je rentre avant la fin de le lever de la nuit. Pour l'instant, on s'est pas beaucoup éloigné de notre bled, donc ça va. C'est très sympa pour l'instant. On apprécie beaucoup. Allez les petits gars, je vous nourris, vous avez perdu un frère, mais ne vous inquiétez pas, je vais retrouver. Oh, du coup, on a la grenouille. Oh, mignon. C'est trop mignon. Maman. Mais non, mais elle est pas dehors. Mais elle fout quoi, notre mère? Ah, ils ont grandi. Attends, ça veut dire on n'a pas retrouvé notre petite... Ah non, dans les images du jeu, je vois qu'il n'y a que 3. Donc il y en a un qui est parti à jamais. Peut-être qu'on le retrouvera plus tard, hein. Je pense que c'est même un peu ça. On aura donc besoin de temps ou d'être cajolé pour se remettre d'une situation effrayante. Eh bah très bien. On leur fera des papouilles et des mamours. Nuit 4. Allez, Pity. On va apprendre à chasser. Oh, il y a un blaireau là. Pity. Les Pity. Ok. Ouais, j'aime les renards, ouais. En même temps, qui n'aime pas les renards? Allez, Pity! Qui n'aime pas les renards? Est-ce qu'on va voir le renard? Le blaireau, je veux dire. On peut pas le chasser, le blaireau, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'on puisse chasser un blaireau. Mais écoutez, on va voir ça. Peut-être qu'il va nous... On peut pas aller là. Oh! Si, si, si. Ah oui, d'accord. C'est que là, il y avait une... Écoutez, on va voir le blaireau, hein. Oh, des fruits. Pour cajoler vos renardos. Ok. Ah ouais, il y a un blaireau, là. Plonge-lui dessus! Ah, petit enfoiré là. Petit enfoiré, ok. Lui me bloque, il me bloque.
pas lui sauter dans le cul. Ah non, il gagne, ok. Ok, petit enfoiré, tu gagnes. Ah, on a la fin qui descend. Très bien. On va aller là. On a la fin qui descend. On peut passer par au-dessus. Peut-être pas. Qu'est-ce qu'on a là? Saute dessus. Voilà, martel. Voilà. Bon, on s'est nourri là. On est bien, non? Ben, on est très bien. Vous venez? Ils sont au max. Allez, venez. Alors, on peut rentrer? Je sais pas du tout si on peut rentrer. Mais on a bien nourri nos petits potes, là. Hein. On est où, là? On est là. On continue d'explorer un petit peu. Hein. Trop bien. Oh, les pitis, ils sont trop bien. Qu'est-ce que je dois faire? Voix bloquée, tanière, se déplacer. Ouais, pour l'instant, d'accord. Pour l'instant, on est 4, on est à la moitié. Pied pour sauter au-dessus du piège. Aïe. Aïe. Là, il va falloir qu'on aille se reposer. Pourquoi elle a pas voulu sauter, la conne? Enfin, je dis la conne en toute habité. Hein. Bon, au moins, on a potentiellement libéré le passage. C'est trop dommage qu'on m'ait volé un petit, là. Allez, les gars. On se dépêche. Je sais pas ce que ça fait si on reste la nuit, si le jour dehors. On se fait peut-être choper l'oignon. Faudra qu'on aille explorer peut-être plus loin. La prochaine nuit. Prochaine nuit. J'allais dire la prochaine journée, mais on est de nuit. On est diurne. Ah non, on est nocturne. Allez, hop. On va se reposer un petit peu. Ah, on voit qu'il perd de la bouffe en dormant. D'accord. Ah oui, donc c'est un peu un jeu de survie. Ok. Compétence de Renardo. Sauter. Odeur. Ok. Très bien, je ne sais pas trop ce que c'est. Dormons. Bon, Renardo apprendra une nouvelle compétence à certains endroits d'aller acquérir ses expériences vitales. D'accord. Donc il se débrouille plus tard quand ils seront adultes. Nuit 5. Et bah c'est cool, on va encore en faire une et puis on s'arrêtera là. On peut aller voir là-bas ou pas? Ah ouais, d'accord, c'est un peu entre guillemets monde ouvert. On va apprendre en s'amusant. Enfin, ou pas, mais en tout cas, on apprend des choses. Et on va progresser comme ça, et on est assez libre pour progresser. C'est cool, j'aime bien. J'aime beaucoup l'idée. J'aime bien l'idée de ce jeu, très sympa. Vas-y, voilà. Oh, il y a l'air d'avoir... Oh, il y a un gros et gras lapin, là. Ah, est-ce qu'il faut se cacher? Ah, peut-être. Voilà! Bien ça. Allez, sors de là. Ah ben là, ils bouffent bien, là. Oh putain. Oh la vache. Ah ben là, ils sont très très bien. Et on explore le reste de la map. C'est trop bien, ce truc un peu monde ouvert. Très cool. Faut pas oublier de rentrer... De rentrer en temps violu, mais... très bien. On va où, là? On va en bas, mais c'est fermé. Ah ouais, c'est fermé, mais on pourra le débloquer plus tard. D'accord. Ok, je vois l'idée. Et là... Venez les pitis! Venez les pitis, trop mignons! Voilà!
Ils sont là, les pitis? Ils sont là, ils courent au même rythme. Il n'y en a pas un qui est moins bon que l'autre. Ils sont très mignons, très sympathiques. On va où comme ça? Bah écoutez, on explore. Hein. On a la nuit pour explorer. Je sais pas du tout combien de temps aimé. Est-ce que c'est dans, comme dans Minecraft, genre aimé 10 minutes? Yéna, c'est rien, je ne pense pas du tout. Je pense qu'elle met 4 minutes, 5 minutes. Je leur apprends à chasser là un petit peu en quelque sorte. Voilà, allez hop, nourrissez-vous les pitis. Ouais, bon, peut-être, venez là. Après, leur apprendre à nager, c'est bien. Bon, non, ils ont l'air de déjà savoir nager. Voilà, manger, manger, manger. Et on va rentrer à la maisonnée. Voilà, full bouffe, c'est très bien ça. Alors. Vous venez? Oui. C'est trop mignon, il est mignon ce jeu, il est mignon tout plein, et tout plein mignon, tout mignon. C'est par où? C'est toi, c'est toi. Allez hop. Allez, débrouillez-vous là, venez, venez, rappliquez, rappliquez, on rentre au bercail. Trop trop bien, j'aime beaucoup. N'hésitez pas évidemment à laisser un pouce bleu, à commenter, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, ça fait plaisir. Si vous voulez être au courant de tout, c'est sur Instagram et sur Twitter. Non, Instagram c'est des conneries et de la bouffe, mais vous pouvez me voir souvent en vrai. Et Twitter, c'est du plaisir, c'est du plaisir sexuel, Twitter. Bon, bah très bien, Handling Extinction is Forever, très très cool. Très sympathique. Compétence de Renardo. Ah, ils savent sauter, mais il faut qu'ils apprennent le reste. Très bien. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à vous abonner. Puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne et d'autres jeux. Et prenez garde aux prédateurs sexuels qui rôdent pas loin de chez votre mémé. Hein, ça, c'est important. Gros bisous à tous et à bientôt. Bye bye. Les liens seront en description si le jeu vous intéresse. Bisous.